Non, parce qu'on parlait d'espérance de vie et il a dit que je pense pas qu'il va vivre beaucoup à cause de toi. Pourquoi tu lui fais quoi? Non, c'est parce qu'on est passé devant le cimetière. Fais gaffe, toi t'es le genre de fils de chien qui tape ses parents, c'est ça? Non, pas du tout. J'en ai marre, moi, des enfants comme ça, ok? Moi aussi, j'en ai marre. Prends-toi elle va. D'où tu tapes tes parents? Mais non, il tape pas. Espèce d'enfant de TikTok, va. Salam. Ça va quoi? Ça va, trop bien. Ouais, alhamdoulilah, vous êtes où? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Uber otage? Jure? Ouais. C'est pour qui? Les bi. Les balas? Bingo! Sortez! Vas-y, après, vous faites quoi? T'es où? Ouais, je suis au QG. Au parking central? Vas-y, bah on se capte au parking central alors. Elle est où mon affiche là? Non, moi, il y a une affiche, je crois. Regarde. T'es pas. Je valide avec validation, je confirme avec confirmation. Les roses. Oh là là là, ça c'est beau ça. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu dis mon nom là? Il est là. Salut, ça va ou quoi? Ça va toi? Lève les mains. Ah ouais, carrément. Max. Vas-y, Joe Max. Il nous faut un otage, c'est bon. Anes, masque-toi du coup. Comment on a un otage dans le coffre? Vas-y. Ouais, ça marche. Ah, y'a un mec derrière. Mais fallait me dire, j'aurais pris un véhicule. Parle pas. On t'en a quoi? Comme au taxi du bled. Là, à la fourrière. Combien d'otages? Tiens, go à la fourrière. Ah, c'est pas mal ça. On va les fourrer. Ils sont où là? Fourrier à la fourrière. Le ti. Oui. T'as pas ton véhicule à la fourrière? Ah, si, je pense. Attends, je regarde. Lâche-moi. Pardon. Lâche-moi. Ah, dedans, on est là, tu connais. Toujours pas de meuf? Non. Toujours pas de travail? Non, pas de travail. Ouais, ça va. Bah, alhamdoulilah, tout va bien alors. Tout se passe bien. Pas de problème, oui. C'est valide. On a repéré une voiture violette sur le parking. Je valide. Nous sommes en attente d'attente. Oh, des individus masqués. On est au Megamall. Négatif. Vous n'êtes pas au Megamall. Nous y sommes. Vous y êtes. Là, vous y êtes. Salut les gars. Hey, salut. Ça va, vous allez bien? Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Livraison Express, Amazon Prime. Eh ben super, ça fait plaisir. Combien on vous doit? C'est de l'otage de qualité? Faut voir avec l'Audi. Ouais, ils sont bien dodus. Hein. Faut bien, ils sont bien dodus. Bien dodus, ok, on est sur du otage bien dodu, super. Je vais les tester, ils sont un avocat. C'est correct. Salam! Voir un peu, fais voir. Salam! Alhamdulillah et toi, Harry. C'est tout. Je suis QG, moi, les gars. Vas-y, je viens te chercher. Ah, bah ça va ou quoi, Roya? Ça va ou quoi, Roya? Oh, t'es venu vite, hein. Alhamdulillah, on est là. Prends tes maxés, Roya. Uber otage pour les balas. Encore? Eh bah, apparemment. Ah, ils prennent beaucoup d'otages, machallah. Ouais. Je sais pas si. On veut dire machallah. T'as l'impression tous les jours, Roya. Uber otage. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est bon pour vous? J'ai pas une très bonne mémoire. Tout est bon. Tout est ok. Bah, bon, let's go. Bah, c'est l'argent qui paye. Non, l'argent faut tout donner à toi. Vas-y. Ouais, il est là-bas. Ah, ok, il négocie. Ok. Ça va les otages, vous allez bien? Au top, non, ça va. Ça fait quoi d'être otage? Ça fait quel effet? Arrête de chier. Ça fait longtemps que j'ai pas fait otage en vérité. Ça fait 3 fois le prendre. Bah, j'avais. C'est toujours bizarre quoi. J'avais arrêté l'intérim effectivement. Est-ce qu'on vous a donné la carte fidélité ou pas? À partir de la 10ème fois que vous êtes otage, vous gagnez un bijou. Un bijou secret. Un bijou mystère. Non, c'est la deuxième. Ah, regarde, faut que je te parle vite fait. D'accord. Vas-y. Excusez-nous, on va parler business. On y arrive. Ouais. Il y a Antonio, avec Madrazo. Ouais. Il m'a appelé. Encore hier, il m'a appelé hein, pour le blanchiment d'argent. Ah, viens, on va le voir. Dis-lui, donne un rendez-vous, on y va. Vas-y, je vais l'appeler. Prends une voix sérieuse, une voix de travail. Ouais, vas-y. C'est avec du cartel, Andek, hein. Je rigole pas trop avec lui. Allez, Antonio, comment ça va, hermano? Tranquille. Ça fait quoi, Antonio, on appelle le cartel. T'as vu combien pour le cartel? Ce soir, il y a blanchiment, regarde. Mais non! Mais non! Donne juste un rendez-vous! Ce soir, il y a rendez-vous! Il y a rendez-vous! Voilà! Ouais, non, il y a un rendez-vous pour un blanchiment des dents. Éventuellement! Éventuellement! Voilà. En fonction de sa gueule.
18. Ah, et ben vas-y, y a un rendez-vous. Parce que les chicots en ce moment, c'est pas ça, frère. Les chicots. Ok. Les dents, dame. Mmh. C'est quoi le rapport? Ok, bah. Bon, c'est moi, jeu de mots, t'as compris. Ouais, t'as un problème de carie. Ah, vas-y, bah, c'est quoi, vas-y, donne une pause, on va venir te voir. Eh, hey, ça parle de blanchiment, là, tu l'as parlé de carie, de dentiste et tout. Oh, ouais. Oh, les jeux de mots, Zama. Ouais, blanchiment de dents et tout. Ah, oui, les gars, quand on parle de dents, c'est pour les caries, blanchiment. Bah, oui, les gars. C'est logique, les gars. Ça va quoi, Joss? Ça va être beau. Ça va, ça va. Tranquille. Bah, du coup, t'as envoyé une pause, il t'a exquis, c'est pas ça. Là, il a dit dans 2 minutes, parce que là, il est à l'hôpital. Ok, et eh ben attends, ah ouais, putain, nous on est Roya. Vous avez pris votre service ou pas récemment? Non, moi je l'ai pas pris, moi. Roya, faut qu'on prenne notre service, faut qu'on travaille s'ils vont nous vivre. Tu sais quoi, on fait le rendez-vous, après on va travailler un peu. Vas-y, ça fait 2-3 jours, moi ça fait 2-3 jours, Roya. T'es quoi moi toi aussi. Tu Uber de pizza là. Depuis quand? Depuis là, toute ma vie, je crois. Vas-y, là t'as trouvé un travail, attends. Oh, pff, attends. Elle a pas trouvé un travail, elle a trouvé un scooter, Roya. T'as demandé? Ouais, je trouve que c'est pour le scooter alors parce que. Voilà. C'est de temps en temps, tu vois, quand tu dors. Hey, ton quad, ça va, il va bien ton quad? Ouais, ça va, il a trouvé une meuf? Non, 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 là, elle est chez la Doris. Les gars, Tobias est toujours célibataire, hein. C'est mauvais signe. Hein. Oui, pas bon. Non, c'est bon signe. C'est pas de problème. Bah non, il faut quand même décompresser un peu, Roya. Je te vois, t'es tendu en ce moment, t'as la ceinture un peu serrée, Roya, il faut te détendre, Roya. Adnan, ça va quoi? Ça raconte quoi, Roya? Nen, t'as trop de flow, Roya. Faut que tu te démochises un peu. Ouais, défloue-toi un peu, défloue-toi. Défloue-toi, Roya. Prends exemple sur toi, bien fais-moi, Roya. Wouah, Iron Man. T'es trop bas pour moi. Bah oui. Roya, pourquoi t'as fait un tatouage? Pourquoi un tatouage? T'as fait du coloriage, Roya? Mais Roya, j'ai de la henna depuis que je suis arrivé en ville, là, sahbé. C'est la première fois que je vois ton tatouage, Roya. Bah, ouais, il écrit Wanted avec du regarde. Tu mettais du fond de teint à la frite avant, hein? Non. Ah ah! Attends, Zama, t'as signé quoi? Zama, j'ai une chaîne YouTube make-up, je sais pas quoi, le truc comme ça, quoi. Ah, Roya, tu fais ce que tu veux, c'est pas un problème, Roya. Mais fais du make-up, hein, tu vas avoir des abonnés. Moi, je suis pas youtubeur, sahbé. Après, on m'a dit, en ce moment, la mode, c'était changer de sexe, t'as vu? Ça rapporte des abonnés. Ben voilà, vas-y. Eh vas-y, go, viens, on va à l'hôpital, on leur demande de changer de sexe. Hein. Pour toi, bien ça. On va faire non. Toi, Jas, on va rendre plus drêlé, t'as vu? Pas totalement. Comment ça, pas totalement? Bah pas totalement, wesh, j'ai, tu vois. Bah non, je vois pas, justement, je vois pas. Quand tu me parles. Bah genre t'es pisse, pas tes pecs. Ouais, tu vois les contours. C'est quoi la tête? Elle a contours. C'est choupi. C'est choupi. Ouais, elle a mis une pastèque sa tête, elle a fait les contours avec. C'est quoi ça? J'ai mis de la haine, moi aussi. Oh, la forme de ton crâne, c'est un truc de ouf. Oh, là, je préfère avec la chevelure comme ça que plutôt le. On va te mettre le. À la base, tu vois, c'est ça maintenant. Elle avait un rideau. Voilà, elle a mis une betterave sa tête. Foutez-moi, wesh. Toujours pas de nouvelles, l'autre là? Il t'a dit 2 minutes. Appelle-le, mets-le un coup de pression. Qui ça? Cartel Khadrazo, là, je sais pas quoi, cartel de Khadrazo. Vas-y, dis-lui, Khadrazo. Ouais, Antonio, c'est comment alors? Non, mets un coup de pression, Roya, dis-le. Fais le mec, wesh. Peux pas attendre. T'es pas. Quoi, il s'enfuit? Eh, il va revenir, ouais, je l'ai mis un coup de pression. Alors qu'il a laissé ses couilles ici, là. Mais eux, ils m'ont supplié, Zama et tout. Tu connais? Ouais, il me casse les couilles. Alors, putain, raconte. Il a mis un coup de pression, il lui met un coup de pression. Regarde, je l'ai mis un coup de pression. Oui, vas-y, ouais. Oui, bah, tu lui as mis un coup de langue, ouais. Non, mais non, je l'ai dit quoi, Eh, mon gars, on a pas que ça à faire, on a plein de trucs à faire sur le code. Et il a dit, ah ouais. Et après? Après, il a dit, bah, je vais dire à mes hermanos, ils vont à la Fanta Blanca et tout, je sais pas quoi. La du Fanta coup, le c'est une attraction, c'est quoi ça? La Miranda Blanca, là! Le rendez-vous, il sera à la Fanta Blanca, du coup. Bah, viens, on y va! Ah, la carte de matérialisation? Oui, il m'appelle, regardez! T'étais avec moi, t'as bien fait. Vas-y. C'est bon, tu pars dans 1 minute, ok, nous, moi avec toute mon équipe, là, on se dirige à la Fanta Blanca, t'es les gars, on s'habille travail. Habillez-vous travail. Tenue de travail obligatoire avec la mallette obligatoire. Ah, Roya, c'est quoi tenue de travail? Voilà, Roya. C'est les travaux, Roya. C'est le travail, quoi, Roya. Et quand tu fais rendez-vous, il faut que tu sois habillé en mec de chantier. Non, pas pour la faire comprendre, Roya, qu'on est des bricoleurs et on bricole pas que des murs, Roya. Ok, Roya, voilà. Si je vais habiller comme ça, c'est bon ou pas? Ouais, c'est parfait.
pas de plongée. Ouais, combinaison c'est bien, combinaison c'est bien. Mais pas de plongée, voilà, parfait. Et là, ils vont trembler. Ils sont prêts, toi. Quoi, je me change, là, non ? Bah, change-toi, frérot, bien sûr, on est tous habillés en train. Mais bah, parce que je suis un mec de chantier, je suis un mec du terrain, Roya, moi. C'est ça qu'il faut comprendre, je suis un guerrier. Mais c'est qui gère les ratés ? Bah, ouais. Bah, c'est nous. Tu crois que c'est qui gère Roya la poubelle ? C'est nous, Roya. Ah mais ouais, mais j'ai jamais pensé, désolé. Non, on est les éboueurs de la ville, Roya, on s'occupe de la merde, Roya. Oh, Roya, t'es pas au courant, y'a les bikers, ils ont essayé de nous hagar. T'as rappelé l'autre jour quand on était dans le nord, là ? Ouais, ils vont essayer de vous hagar. Voilà, ils sont venus avec des armes, ils nous ont braqué, les gars. Non, on va leur parler, on va leur parler. Mais c'est moi, je leur ai parlé, je leur ai dit ferme ta gueule, sinon on te goûte, là, dis d'accord. Oh, ping, ping. Depuis quand on a de la concu, là ? Attendez. Eh hey, les gars, descendez, il va y avoir un meurtre. Sors du véhicule. Eh, tu bouges pas, C'est qui lui ? Sors du véhicule. Tiens. Non, toi, faut sortir du véhicule, toi. Ah, mais c'est le prince d'Interfou ! Putain, mais on a failli te buter, frère ! T'as failli mourir, là. Non, mais en fait, on cherche des mecs qui nous ressemblent et tu nous ressemblais, c'est pour ça. Ah, bah mille excuses, loin de moi l'idée de vous ressembler. Oh bah tranquille. Mais attends, pourquoi tu veux pas nous ressembler ? J'avais un nom et de la merde, c'est ça ? Comment ça ? Vous copier, ah, moi j'ai pas l'envie. Il a dit loin l'envie. Ok, l'envie. Ça va la forme sinon ? Bah ça va, écoute, à part que j'ai perdu 100 000 $, je l'ai dans le combien ? Ouais, 100 000 boulas. Comment t'as fait ? Bah j'ai oublié de renouveler mon loyer, je suis parti en petite vacances une semaine, le fisc est venu lever mes meubles, et je sais pas, ils ont tout pris. Roya, ça se voit que t'avais pas des meubles Ikea, Roya, 100 000 balles, c'est quoi ça? Ouais, écoute... Eh, t'aurais pas un numéro de meuf pour Tobias, s'il te plaît? Oui, s'il vous plaît, avec du plaisir. Tiens, parfait. Et là, c'est le Congolais. Il faut le prénom, s'il vous plaît. Ava. Ava Vegas. Ah, ça c'est pas mal ça. Las Vegas. Ça c'est pas mal ça. Las Vegas, son numéro, c'est 127-850. Oh, c'est bon, il est plus célibataire, lourd. 127. Merci, Antonio. Pff, là, c'est le cartel de réseau, croyez, faut qu'on soit sérieux là. Cartel de réseau à la Fanta Blanca. Là, tu peux dire vraiment, Zama, soyez serré. Soyez serré même. Serrez-vous. Serrez la ceinture. Non, parce que là, en fait, c'est les Madrazo, et du coup. Attends, croyez, par contre, les bikers, faut qu'on leur parle, croyez. Mais on leur parle là, mais hier, Ouais, moi j'étais pas là, moi, faut que je leur parle. Vas-y, tu dis à Emma, oui. Eh, regarde, tu dis quoi ? Oui, je suis le chef de cette organisation, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Mais chef de cette désorganisation, quoi ? Quel orga, frère ? Quel orga, frère ? T'es fou ? C'est la honte de dire que je suis le chef, Roya. Voilà, je vous connais pas, moi. J'assume rien du tout, Roya. Ah, d'accord. Les gars, on m'a dit qu'il y avait des racistes dans le Nord. Ça vous dirait pas qu'on chasse les racistes ? Que nous, on soit les racistes ? Non, qu'on chasse les racistes. Oh, c'est orfond là. Qu'on chasse les racistes. Sérieux, les gars, sérieux. Plus klaxon, hein. T'énerve. Ouais. Sérieux. La mallette. On la sort tous en même temps. 3. La mallette. Putain, j'ai pris ma mallette de bricolage, j'ai oublié la selle en cuir. Oh merde. Oh là, Antonio, ça va ou quoi? Allez-y, venez, entrez. On va rentrer. Oh, Hermanos. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir. Madame, monsieur. Tu dis tout le monde, comme ça tout le monde est concerné. Tout le monde. Et les enfants, si on a. Salut les mecs, ça va ou quoi? Bien sûr, les enfants. Bien. C'est où on essuie les pieds? C'est où? Excusez-moi, il manque le tapis. C'est là. Ah oui? Sur les bois? Les marabouts, moi les marabouts, c'est des petits bouffons, tu connais. T'avais mis en slip quand on arrive. Non, moi je leur ai dit que je connaissais des mecs au placé, ils m'ont lâché. Attends, excuse-moi. T'étais en slip ? Comment ça ? Oh ! Non, c'est les marabouts. Slip, c'est quelque chose. C'est pas vrai. Sous un pont. Non, c'est pas vrai. Tu nous as pas dit ça. C'était pas vrai, regarde. Vous mettez quelque chose ? On aurait pas cherché de l'or ensemble ? Si, claro que si, seigneur. Oui. Comment allez-vous, seigneur? Si, t'as fait un stage avec lui, Roya. J'ai fait un stage chez nous, c'est vrai. Tranquillement. Tranquillement. On m'a dit que vous cherchiez un petit peu. Voilà, un petit moyen de découler vos petits billets là. Nous, on est clairement disponible. C'est ça, de faire en sorte que les fils qui me tombent pas sur le cul. Et on parlerait de quelle somme à peu près? Bah là, du coup, cette nuit, déjà, j'ai envoyé 350 000 là. Et bah, du coup, je suis des concurrents parce que voilà, mon Kefta m'a dit que c'était compliqué pour vous en ce moment. Ouais. C'est ça. Et par contre, voilà, si là ça reprend, c'est très bon à savoir. Vous êtes à quel taux d'ailleurs, si... Attendez, moi, ce qui est intéressant, vous me dites qu'il y a des concurrents en ville ? Bien sûr que vous avez de la concurrence. Eh ben, on n'était pas du tout au courant. Et j'en connais au moins deux. Carrément ? On va se renseigner. Ils vous font un taux de combien ? On me propose 55%.
Ok. De tout bouffer. C'est correct. Après, moi, je n'hésite pas des fois à tourner. Justement, je donne à manger à tout le monde, comme on dit. C'est ce que je fais déjà avec la plupart des gangs de la ville, avec pas mal des groupes. Et il a tout cassé, là. J'ai connu votre prédécesseur, ce qui paraît. Il a dû rentrer. On peut se mettre dans un endroit calme, là. C'est horrible, là, ça. Ça, c'est à cause de Tobias. Ouais. C'est horrible, là. On peut pas. Il est passé me voir récemment et il m'a dit qu'il trouvait qu'il gérait pas bien les business. C'est pour ça qu'il est rappelé là-bas. Ok, ça marche. Bon, bah nickel. Écoutez, nous on est disponible hein, si vous voulez nous donner une petite enveloppe ou pas. Bah là, du coup, là j'ai mis, mais en ce moment, on a beaucoup besoin en effet. Puisqu'on achète des nouvelles coachées, on achète pas mal des choses, on investit. Ouais. Et du coup, en effet, je pense que je vais vous contacter bientôt. Et donc, okay. Du coup, les concurrents, je suppose qu'il n'y a pas possibilité de savoir ce qui est. Ça reste confidentiel. Et donc, si c'est confidentiel après. Moi, en soi, j'ai pas de lien avec eux, mais en tout cas, c'est pas gratuit. Bah, si on vous fait un taux à 56%, on peut avoir leur nom ? 57. 56,5. Allez, 56,75, on coupe la poire en deux. Allez, on parle là-dessus. Mais vous les connaissez, j'en suis persuadé. Ah non, parce qu'on n'était pas au courant. Vu qu'ils sont encore en vie, c'est qu'on les connaît pas. Mmh. Ah, vous voulez écraser toute concurrence. Exactement. C'est le but d'une concurrence. Je suis en tenue de chantier, monsieur. Oh, c'est pas, la concurrence n'existera plus. Bien qu'il y a de la concurrence, permet justement que les taux ils vont encore augmenter, donc j'ai tout gagné. Mais donc, certains frères aux yeux bridés vont les amener. Ah bon, Ainsi que certains, peut-être frères, aux cheveux roux, déçus qui viennent de l'Europe du Nord. On sirote la concu avec des 5 cash. Ok. Et vous, est-ce qu'ils ont un nom ? Est-ce qu'ils se revendiquent sous le nom du Nord ? Bien sûr, après, c'est, honnêtement, là, c'est les infos que je vous dis, là, bon, on a négocié pour le pourcentage, mais personne ne s'en cache ici en ville, c'est la triade. Et maintenant, par contre, c'est les Irlandais aussi. Ah ouais, les Irlandais ? Ils ne s'en cachent pas, hein, tout le monde le sait. Triade et les Irlandais. Ok, ça marche. Bon. Ça vous fait pas mal des concurrences. Ouais, bah, puisqu'il démarche bien. Ok, ça marche. C'est eux qui sont rentrés en contact avec vous ou bien c'est vous qui avez fait les démarches ? Comment ça s'est passé ? Non, on a demandé ce qu'ils faisaient comme business. Irlandais, disons que je les attrapés, les mettre en slip pour autre chose parce que bon, ils vendent certains produits et des prix qui sont vraiment insultants. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Je pense que c'est ce que vous vendez, quoi, qu'ils vendent à des prix. Des non, ils vendent pas les mêmes produits que moi. Mais en fait, ils vendent des produits qui sont censés vendre beaucoup plus cher au même prix que les miens. Donc, ils déséquilibrent tout. Ah, d'accord, du coup, ça nique un peu votre business, on va dire. Ouais, mais je m'en suis occupé. J'ai mis le coup de pression, j'espère qu'il est passé. S'il passe pas, mais. On réglera ça autrement, malheureusement pour eux. C'est. Est-ce que vous avez un numéro d'un des Irlandais ? Ou savoir où est-ce qu'ils crèchent ou quoi ? Ils sont dans le nord, Sandy Shore. Sandy Shore ? Ok. Et tout ce ça, vous après, avez une localisation à peu près ou Non. Aucune localisation. Bon, on se ok, et, bon, on se démerdera pour la suite. Et pour la triade, ils sont dans le sud ou ils sont dans le nord ? Oui, mais sûrement dans les quartiers asiatiques de la ville. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah ça va être compliqué. Intéressant. On va donner ça à nos petits. Si on va s'occuper de ça. Ok, ça marche, bah merci. C'est quoi votre nom déjà ? Antonio Flores. Ok, ça marche. Donc du coup, vous allez nous contacter dans les prochains jours, c'est ça ? Honnêtement, en ce moment, oui. On fait rentrer beaucoup des platas, et on a besoin des ondes pour l'utiliser autrement. Donc en effet, il y a vraiment moyen que je vous appelle d'ici quelques jours, puisque voilà, on achète beaucoup des coachers, on achète beaucoup de choses. Ça marche. Donc voilà. Ok, on fait comme ça. C'est noté. Ils sont partis où, les deux, là ? Nous manquons nos devoirs, vous souhaitiez peut-être boire quelque chose ? Franchement, je prendrais bien un petit coca. Hein. C'est pas, je dis pas non. Un petit Fanta. Hermano, qui vont chercher à boire, par favor, pour nos invités. J'ai déjà mon paquet de coca. Jess, vous êtes. T'es parti ? Excusez-moi, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, y a que ça. Non, c'est la Fuente, Blanco, Seigneur. Ce qui veut dire fontaine blanche dans votre langue. Ah, c'est pas la Fuente Blanca, ça veut dire fontaine blanche. Ah, c'est la Fuente, je pense que c'est la Fuente. On croyait que c'était la Fuente. Fuente. Ah, la Fuente, la Sampe qui est écrite. Ah, ouais, carrément, d'accord. Ok, la Fuente. J'avais un ami, c'était un moitié congolais, moitié latino, il s'appelait Tobias, il disait comme quoi sa femme c'était une femme Fuente. Au début, je comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Bah, ça prend tout son sens. Bah, oui, ça prend tout son sens. Ah, ouais? Tobias, c'est trop jeune, mais t'inquiète. L'autre, oui, non mais. Oui. Après, c'est normal, hein, parce que l'ancien Réfé, lui, nous avait proposé à boire et tout, tu vois. Et c'est là, on arrive comme ça. J'ai bien demandé, justement. T'étais là, toi. T'étais là, toi. Ben ouais, il y avait le stage d'insertion, là, pour les schtroumpfs. Ah oui, oui. Ah là là, sacré stage, hein. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, hein. C'est lors du stage La Baumette. Je refais. L'a rappelé à lui, voilà. Je pense que ça lui a porté préjudice à mon avis. Par contre, regarde, mets tes doigts toi aussi là. D'ailleurs, juste pour savoir, vous achetez jamais justement des drogues ?
Non, non, jamais. Nous, actuellement, je propose un petit produit un peu particulier, vous savez. Ah ouais, oh, non, là, comme quoi c'est... Comme de l'ecstasy, de la MDMA, ce genre de... Ouais, ouais, chaud de fou, wesh. Quoi? Ah oui. Bien sûr. Intéresse. Trouve extrêmement cher dans la cahier, ou même pour vous amuser vous-même. Hein, ouais. Avoir les yeux et les pupilles un peu dilatées, ressentir la musique. On craque, là, tu revends ça. C'est pas pour troquer des meufs et les donner à Tobias, pas du tout. Tu peux revendre ça combien dans la rue? Ça monte à plus de 250$. Wow. Vous prenez la carte? Moyenne, wow, elle est de vente. Hein. Elle a 230$. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Mes clients m'ont dit. Et nous, on la vend à 165. Je laisse faire beaucoup des bénéfices. Oui, une limonade. Ben nous, on est clairement chaud pour. Et je descends bien de l'heure tous les 500 grammes achetés. On va voir, putain, faut ramener combien de canons pour changer 500 là. Oh non, 3 rumpos, c'est bon. 3 rumpos pour 500? Bien sûr. Donc on met 2 avec 170 grammes, 170 chaque sachet dedans. Et un dernier avec 160. Tu vends combien le gramme? Rappelle les prix, s'il te plaît. Le gramme, 165. 165, t'as bouffé la canette ou quoi? Moyenne, elle a 230 et ça monte à plus de 250. On peut se faire de l'argent de fou. C'est pour ça, là, c'est un peu exceptionnel. On en prend combien, les gars? C'est de l'extasie. Attends, avec l'été, tu revends ça sur la plage et tout. Combien aux autres groupes déjà? Comme je viens de dire, 165$, c'est le prix pareil pour tout le monde. 165, c'est pareil. Tout le monde? Ok. Ouais, pas... Moi je pense qu'on en prend 500 pour voir. Hein, le risque il est plus élevé. Vas-y, hein, ouais, tu sais quoi, Anthony, on va t'en prendre 500 pour une première cargaison. On t'envoie une position d'ici, je sais pas, 10-15 minutes. Et puis. Attends, non. Les stocks à squat là, j'ai des commandes des kilos par jour. Donc, doucement, ouais, vous êtes des petits joueurs. Ah, pourquoi tu me proposes 500, Royan? Je sors 2 kilos par jour en ce moment. Justement, mes chimistes ils font que ça. Je connais Rami au Maroc. Là, t'as pas un stock là? Vous l'avez vu, le chimiste ancien ou quoi? Demandez, on a combien en stock? Faut engager un nouveau chimiste. C'est ok pour demain. Ça serait bon, tu penses? Expliqué comment faire en plus et tout. Ah oui, là pour aujourd'hui, vous avez combien là? Mais ça, on peut le couper en deux, ils ont déjà eu, on peut attendre. Pour demain, vous pouvez avoir les 500. Là, T-Suite, on peut avoir combien? T-Suite, tout de suite par rapport aux ventes qui sont déjà prévues. Il nous reste combien? Ils veulent vraiment goûter et voir. Non, on n'a rien. Après, je peux quand même vous donner un petit échantillon ou un truc. Mais, non, mais demain, par contre, demain. Là, je vais vous fournir ce soir et voilà. Non, demain. On comprend, demain. On fait ça demain. Bien sûr, c'est comme si moi demain je vous dis demain. Et que votre demande de demain, finalement, je la donne à d'autres personnes, vous voyez, vous allez être. Non, mais d'accord, c'est pour ça, on n'insiste pas, on dit demain, c'est bon. Ouais, demain. Et mais demain, on fait comme ça, demain. Moi, demain soir, je serai pas là. Prenez peut-être le numéro de quelqu'un, des gens de chez moi. J'ai le numéro de Cataleya. Très bien. Ça nous étonne, ça. Ça nous étonne. Tiens. C'est bizarre, ça. On s'imaginait même pas, Royan. Franchement, je tombe des nudes, même. Incroyable. C'est le numéro que ça, ici. Putain, c'est bizarre. Oui, parce qu'on a pu faire la rencontre. Oui, les explications, oui, on s'en passera. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, bah, du coup, monsieur Antonio, on vous laisse, hein. Merci en tout cas pour votre accueil. Et même muchas gracias, et puis dans tous les cas, voilà. Demain, on se dit à demain. Vous verrez mes amis pour faire la transaction. Et nous, on vous recontacte pour la plata sur Twitter. Ouais, nickel. On fait comme ça. Nickel. Perfecto. Et bien, on va vous raccompagner. Ça marche, merci. Merci, Antonio. C'est ton appel. De nada. Très belle moquette, en tout cas. Hein, je t'appelle, c'est ça? Du coup, il y a des dents à blanchir. Parlez, monsieur. Non, mais toi t'es là ou t'es pas là, toi, quand on parle? Non, parce que je suis parti regarder leur piscine. Non, même pas. Est-ce que tu étais en prison avec moi l'autre jour, quand on s'est retrouvé dans ce... Ah, Roya, on va dire qu'il y a des balances, mais bon. Il y a une opération, monsieur, je me suis des pieds. Je vais pas mentir que nous, en ce moment, on traque tous ceux qui balancent. Il y a une opération, s'il vous plaît. Ouais, j'étais en prison, on allait en prison. S'il vous plaît. Parti en prison. Tango, bravo, mission terminée, over. Bravo, on arrive, Tango. Can you shut the fuck up, please? Il a dit ferme ta gueule. T'as pas le cap, hein, les gars, mission triade, mission irlandais. Faut pas quoi? Bah, ils sont à 110 heures apparemment dans le nord, les Irlandais. Faut que. Je sais pas, frère, on va demander aux habitants là-bas s'ils connaissent pas des Irlandais qui viennent s'implanter, un truc comme ça, je sais pas, frère. Mais là-bas, sur des torts de la Fanta Blanca. Bah, on va se faire passer pour des mecs qui ont envie de blanchir. Et après, on les soulève. Ah, là, alors... tu veux d'abord discuter. Bien sûr, incroyable, on va pas les soulever comme ça, wesh. Moi, je pensais que t'avais des réseaux, tu vois, t'avais des épisodes, t'as vu? Ouais, non. Bah, non, c'est qu'ils sont en train de blanchir alors que. C'est la concurrence, frère. C'est la concurrence, vraiment. Ça nous fait de la concu, tu vois. Les gars, un moyen de les retrouver, mais je sais pas comment on va faire. Les Irlandais, généralement, ils sont roux, les gars, et ils boivent du whisky. Il a dit. Il y a pas des bars vraiment pour être renseigné et poser des questions. Ouais, tu crois que je suis un salopard pour aller dans les bars, moi? Ça, c'est toi, ça? Ça, c'est des Algériens, ça? Mais le Yellow Jack. Le Yellow Jack, non? Non, ça va être orange, Jack. Mais je connais pas ça, Yellow Jack. Mais non, Yellow, c'est jaune, on va trouver les. C'est un patriote là-bas. Comment c'est raciste? Oui, et alors?
Quand on croise quelqu'un, on l'arrête, on demande le chemin. Comment ça, vous savez pas de GPS là? Eh hey, frère, voilà ce qu'on fait, on demande juste aux Hnouch, on appelle la BCSO, on leur demande. Vas-y, appelle, vas-y. Non, non, Tobias, il va les appeler. Lui, il a un tact. Ouais, appelle, il a un tact particulier avec la police. Ça fait bip, je répète, ça fait bip. Bah vas-y, appelle. Ça refait bip. Non, mais ça saute, ça saute. Ah, ok, ok. Ça refait bip. Putain, ils ont pas l'accident, c'est quoi? Ah, mais ils ont pas répondu. C'est bien l'absco, hein, c'est ça que vous voulez que j'appelle? Ouais, BCSO. Oh non. C'est ton dos d'être humain. Quoi? Vous avez J'ai roulé, j'ai fait ton dos. Vous avez percuté un être humain? Ah ouais, là-bas, regardez, là-bas. Un rouleau d'être humain. Là-bas. Vas-y. Les quoi? Des Irlandais. Des Irlandais? Non, je sais pas, c'est que les Irlandais. Ouais, c'est des gens en fait. Bah, des gens qui viennent d'Irlande quoi. Ouais, ouais. Non, je connais pas, monsieur. Ah, parce qu'on m'a dit c'est des gens d'Irlande du Nord et tout. Des Irlandais ici? Ouais. Ah, c'est pour des petites soirées. Tu fais quoi dans le Nord, toi? Eh bah, en fait, j'étais avec mon papy là-bas, mais comme il sait pas conduire, il vous a fait un accident récent. Ton papy? Oui. Chou papy, il est où? Viens, viens, viens. Il est là-bas. Attention, monsieur, couvrez une voiture. Oh, qu'est-ce que vous sauvez la vie? Ça va, monsieur? Vous allez bien? Vous êtes le papy du monsieur là-bas? Ah oui, je suis papy du monsieur là-bas, oui. Ça va, vous allez bien? Pas trop secoué? Vous avez fait mourir avec votre grand âge, en plus. Oui, je suis... De toute façon, oui, avec mon grand âge... Vous avez quel âge? J'ai 70 ans. Oh, ça va. Eh, il a que 70 ans, les mecs, ça va. L'espérance de vie, elle au moins de 82, 83 ans. Hein. Il vous reste... Allez, 15 ans à vivre, ça va, en vrai. Vous avez vu le petit-fils que j'ai? Vous pensez que je vais vivre 15 ans? Braquez le petit-fils et ramenez-le, s'il vous plaît. On va discuter avec lui. Braquez-le. Lui faites pas de mal, par contre. Hein. Non, vous inquiétez pas. On va s'expliquer avec lui. On n'est pas des mecs énervés, on est clairement pas des mecs. Qu'est-ce qui se passe avec ton papy? Il peut pas courir et il sait pas conduire. Non, parce qu'on parlait d'espérance de vie. Il a dit que je pense pas qu'il va vivre beaucoup à cause de toi. Pourquoi tu lui fais quoi? Non, c'est parce qu'on est passé devant le cimetière. Ah, fais gaffe, toi, t'es le genre de fils de chien qui tape ses parents, c'est ça? Non, pas du tout. J'en ai marre, moi, des enfants comme ça, ok? Moi aussi, j'en ai marre. Rends-toi l'idée, elle va. D'où tu tapes tes parents? Mais non, il tape pas. Espèce d'enfant de TikTok, va. Il est handicapé, wesh, le fils. T'es un malade? Non, mais. Il a des problèmes. Il a eu un AVC quand il était plus jeune. Ah merde! Il a eu un VTT quand il était plus jeune. Ça va, il a eu un VTT, ça va. Ouais, tout terrain, VTC. Faut que tu prennes soin de ton papy, d'accord, hein? Mais je le prends, mais c'est lui, il fonce dans vous. C'est une manière. T'as un travail? Mais je sais pas conduire, je t'ai toujours dit, à chaque fois tu m'obliges à conduire. Je suis assistant chef d'équipe, monsieur. Jure? C'est bien ça? Oui. Eh, ouais. Tu fais du vin? Oui, je fais du vin, oui. Mais tu te bourres la gueule, c'est pour ça que tu conduis pas bien. Tu te bourres la gueule! Non, j'aime pas. Ah, tu te bourres la gueule! C'est quoi ton nom? Ça pique, c'est Franck, monsieur. Ah ouais! Franck, tu te bourres la gueule! Enchanté, monsieur. Et vous venez d'où? Vous êtes ici? Une idée. Non, je suis de New York, monsieur. Ah, New York! Oh, New York! Putain! Oh, j'allais le braquer là! Ah, j'étais à deux doigts de l'envoyer une roquette! Ah, c'est toi qui appelais les flics? Les flics? Mais non! Pourquoi tu veux que j'appelle la police? Dans ton répertoire, est-ce que t'as un roux dans ton répertoire? Non. Vous connaissez pas d'Irlandais, ouais. Parce qu'en fait, on cherche d'Irlandais. En gros, on vous explique. Ils nous ont fait une commande, d'accord, de plâtre. Et ils nous ont dit, ouais, venez dans le Nord et trouvez-nous. Mais wesh, nous, on va pas les trouver, on va pas les chercher pendant 10 ans. On est des mecs du chantier, nous. On a des obligations aussi. Le problème, c'est qu'on tourne en rond depuis une heure, là. Ça fait 3 heures. Et on cherche des Irlandais, quoi. Bah non, on a tourné en rond aussi quand on vous a percuté. C'est pas un contact qui connaît bien le Nord? Non. Ah si, tout à l'heure, on a vu un mec, il avait l'air de connaître le Nord. Il est où? Mais il est au Paléto Garage. Ouais, Paléto Garage, je sais pas quoi. Et la blague, il s'appelle, il a dit. Ah bah merci pour le renseignement, bah merci. Il nous a dit qu'il y avait des motards et tout, il nous a emmenés et tout. Ouais, oh, ils sont morts, eux. Ouais, non, il y avait des motards. Il y avait. C'est pour ça qu'il y avait que les motos. Du Par contre, s'il vous plaît, appelez pas la police pour l'accident, on n'a pas fait exprès. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ah, c'est pas grave, on envoie 150 dollars, on dira rien. Vas-y, c'est bon. Non, miskin, laisse-le, arrête. J'ai pas. Donne 150 dollars. Oh, discret. Donne, je te défonce ta gueule. Discret. Tu m'as pas donné, là. Discret, y'a la police, discret. Discret, à la police. Je te raquette, je ferme la. Couvrir la police. Oh!
Discret. Vous... Monsieur le shérif, ça fait une semaine que j'essaye de retirer à la banque de Paletto, ils me disent c'est pas possible, j'en ai marre. Et nous on est chaud pour faire un stage d'insertion et d'assimilation, hein. De fou. Nous on fait un stage d'assimilation direct. Tous les soirs on est avec vous. On est chaud, hein, tous les soirs, matin, midi même. Un stage de quoi? Travailleur. D'insémination. Zama, on fait une semaine avec vous, on vous apprend les bases parce que... Voilà, et c'est tout quoi, on est là. D'incinération. Si vous voulez, on a besoin d'une équipe ménagère, ça vous intéresse? Ménagère. Ouais, Jas, pour Jas c'est bien. Ménagère c'est bien ça, ça c'est pour Jas. Mais nous on est des mecs de terrain, nous. Ouais, bah vous savez que c'est le terrain de nettoyer. On est des mecs de terrain. Non, ça c'est un terrain glissant, un nettoyage ça. Ça va, il y a aussi nettoyer les scènes de crime, hein. Jure! Il y a des crimes? Ça peut être inclus dans le Je savais pas qu'il y avait des crimes. C'est trop chiant, les gens, ils font des crimes et tout, c'est trop chiant. J'avoue. Eh, la mort, c'est chiant, sa mère, hein, je te jure, c'est relou. En fait, il y a eu un accident de voiture et donc constat, etc. Et voilà. Mais je pense à un site. Pourquoi tu balances mon nom comme ça, toi? J'ai rien dit! Mais je t'entends d'ici, comment ça, wesh? Ouais, je sais pas, il me dit que vous êtes recherché dans le sud. Non, mais non, je suis pas recherché, j'étais recherché. J'ai jamais dit Y a que si c'est dans le sud, c'est pour eux. Non, y'a que Jas qui est recherché, c'est tout, y'a que elle. Les gars, on va voler leur voiture, on va rentrer dans. Monter chacun dans un véhicule et on se barre avec. On va leur montrer c'est quoi la sécurité dans le nord. Quand je dis, ah là là, les chameaux ont chaud, on monte tous. Ah là là là, les chameaux ont chaud. Ah là là. Non, mais les chameaux ont chaud. Faites là, oh. Regarde. Monsieur. Les chameaux ont chaud! À toutes les unités, les chameaux ont soif! Envoie le véhicule! Dites-moi! Envoie le véhicule! On se barre! On vous montre c'est quoi le nord, les mecs! Et bienvenue dans le nord, les mecs! Bienvenue dans le nord! Voilà! On est dans la merde, on a mis une voiture! Heureusement que je vous ai prévenu juste avant, hein. Anas, je suis pas sûr qu'ils ont ton nom, hein. Pas sûr. Non, pas sûr du tout même. Les gars, on va au Paletto. On va aller voir au Paletto garage, voir s'il y a des Irlandais apparemment, s'il y a un mec qui connaît bien là-bas. Ah ouais, j'avoue, avec les sirènes là. Ouais. Eh, vous voulez pas appeler le BCSO? Leur dire que vous avez vu un véhicule de flic avec des individus qui se dirigeaient vers... qui se dirigeaient vers Paletto, vers le garage de Paletto. J'appelle, ça sonne. Allô. Oui, excusez-moi, je suis en train de courir. Après une voiture, elle se dirige vers Paletto. Après une voiture, tu cours toi. Donc là, je cours. Tu cours vachement vite, hein. T'as entendu qu'il se dirigeait vers le garage de Paletto? Oui, j'ai entendu qu'elle se dirige vers le garage de Paletto. Je vois. Je suis derrière elle, donc là, c'est une voiture de police. D'accord, voilà. Derrière elle, tunnel, d'accord. Ah ouais. Hey, t'as voilà. T'es sur le tunnel. Voilà, Usain Bolt derrière. C'est bon. Rappelle-les, dis-leur que t'as aperçu juste à la sortie du tunnel de la base militaire. Allô. Ok, tellement j'allais vite, je suis rentré dedans. Et du coup, on a fait un accident. Ils se sont retournés au niveau de la base militaire. On va leur la pause. Ah ouais, t'es balèze, machallah. Croyable, j'ai fait de la muscu, tu crois que c'est... Tu crois que je fais de la muscu pour rien ou quoi, wesh? Ça va pas? Je m'attendais à ce qu'il passe un truc de ouf. Bah quand même. J'ai retourné la voiture quand même. Allô, je suis encore derrière eux. Finalement, il y a un garage, il y a un truc qui les a retournés. Un garage. Un Marocain, d'ailleurs, il y a un Marocain qui les a retournés. Ok, oui, garage Paletto. Je suis derrière eux. Monsieur, je suis charismatique. Il est sorti courir derrière une voiture, là. Il a dit je suis charismatique, ou le dire je suis asthmatique. Discret. À sa place, je t'aurais rien dit. Discret. Voilà. Voilà. C'est pour dire... Ça, ça veut dire bonjour en langage de flic du Nord. Tu imagines, tu fais 3-6 à chaque fois qu'il voit un barrage. Salut les collègues. Hé, collègues, salut. Ça va? La bonbonne. Sonde à l'extérieur. Nos amis jurés. Hier, ils nous ont hagar avant-hier. Oh, bâtard. Ça veut dire bonjour en langage de rose. Mais là pourquoi tu l'aurais arraché la vie? Voilà. J'espère juste qu'ils ont pas de cœur.
caméra devant leur bâtiment. C'est bon, il est arrivé. Ça fait du bien de faire des Hassanet. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Ça pour une petite réparation s'il vous plaît. Ouais, vas-y, avance-toi. Regarde. Oui. Écoute, on est des mecs un petit peu, tu vois ce que je veux dire. On cherche des individus pour une dentition. Apparemment, ils ont un très bon dentiste. C'est des roues, apparemment. En gros, on chercherait des Irlandais dans le Nord. Irlandais. Si vous en connaissez. Dans le Nord. Non, du tout. Un groupe d'amis irlandais. Vous savez où ils crèchent, non? Du tout, monsieur. Putain, je vais jamais faire soigner cette putain de carie. On est vrai, du coup, une petite réparation s'il vous plaît du véhicule parce qu'on est acteur. Vous connaissez la School of Actors Studio for Burden Euro? Ouais, on est des acteurs en fait. On vient tout droit du cinéma de Los Santos et en fait, là, pour une grosse scène d'action, on a besoin du coup d'un véhicule qu'on vient de faire repeindre en bureau du shérif et on aimerait une petite réparation. Pour la peinture, ça va être compliqué, mais sinon. Pour la carrosserie. Ouais, la réparation, oui. Mais attends, mais les gars, les Irlandais, mais attendez, ça me dit quelque chose. Quand on était en service une fois, on en avait soigné quelques-uns, non? Il y avait des rouquins dans l'eau. Ouais, mais comment tu veux savoir, regarde. Mais oui, je sais, c'est compliqué, mais je sais qu'il y avait des Irlandais, quoi. C'est une espèce rare, c'est des Pokémon rares, tu vois, mais il y en a. Les gars, discret, ils sont là. Les gars, discret, la police est là. Discret. Changez de vêtements. Les gars, je suis mécano. Alors, monsieur, du coup, ce serait pour une petite réparation, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, c'est quoi le problème? Pour ouvrir le capot s'il vous plaît. Oui, je vous ouvre ça. Moi aussi je vais vous faire une réparation après monsieur. C'est le carburateur F2 là qui a lâché. Putain, est-ce que vous pouvez descendre du véhicule s'il vous plaît monsieur? Faire la petite réparation. Allez-y. Bon, tout est bon monsieur. Ouais. Bonsoir. Stop, on a les gars, c'est quoi ces meufs qui sont là? Bonsoir. Oh non, par pitié. C'est bon monsieur, c'est réparé. Merci beaucoup, je vous en prie. Allez-y, c'est gratuit, vu qu'il y a prochainement un rendez-vous avec shérif du BCSO, on va faire un contrat. Ah ouais. Bonne soirée, merci. Et bonne soirée. Hey, mais comment ça va toi? Hey, ça va et toi? Qui t'es? Docteur Clyde. T'es qui déjà? Non, tu te rappelles pas? Hey, pas trop, non? Non, tu te rappelles pas? Pas trop, non, putain. Pourtant, t'as été un de mes clients. C'est la meuf qui a. C'est la meuf qui a arraché. Non, je la reconnais pas, c'est qui? C'est pas la meuf qui a arraché le zizi à. Step 2. Non, c'était Stella qui a arraché le zizi à Tobias. Ah, c'est pas. Mais vous êtes qui? Enfin, y a quoi? Y a Cardamon, les gars? Qu'est-ce qui se passe? La formule 1, 2, 3, tout ça. Non, y'a rien. C'est le menu. C'est le menu tendu et tout. Ouais, je me rappelle. Ça va? Ça va, Clyde? Ouais. Comment ça va, Clyde? Ça va. Comment ça va, Tobias? Bah, ça va super depuis là, le hamar. Faut se laver les dents. Non, écartez-vous pas, madame, s'il vous plaît. Mais Tobias, tu la reconnais pas? Oh, c'est bien. Bah, si, je la reconnais très bien. Mais check là, mais fais-lui un bisou. Oui, un bisou. Elle a coupé l'oreille, un bisou. Check là. Vas-y. Va faire la bise à toi. Check là, ouais, check là. Oh là là. Staffallah, il a chopé la peste, le choléra, le cocktail. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Une petite réparation. Nos véhicules. Justement, j'ai des questions à te poser. Ouais. Toi qui connais un petit peu tout le monde en ville, est-ce que tu connais pas des Irlandais? Si, je connais. Un groupe d'Irlandais. Je connais très bien, pourquoi? Jure, tu connais des Irlandais? Bah oui. Ils créchouent? Ouais, c'est important. Bien. Pas des trucs bizarres. Elle a pesanteur là, meuf. Les gars, si je suis pas là dans 5 minutes, c'est que je suis mort. Tu veux faire quelque chose? Ouais, les Irlandais, en fait, ils font le même business que moi, ils empiètent sur mon territoire. Ah, ils enquêtent sur ton territoire? Non, ils enquêtent. Sont basés à Sandy. Ouais, ils sont basés à Sandy Shore, chérie. Ouais, je sais, mais où exactement à Sandy? Oula, alors. T'as un contact? Oui. T'as un numéro, tu peux le passer ou pas? Ouais. Oh, t'as le chef carrément? Vas-y, go. Ouais, il s'appelle Patrick. 652-310. Ça y est, j'ai compris, merci! Vas-y, tu gères. J'ai le numéro du chef des Irlandais, les gars. Il s'appelle Fathi ou bien Patrick, c'est l'un des deux, je sais pas. Soit Fathi, soit Patrick, je sais pas, c'est l'un des deux. C'est bingo, on l'appelle. On verra. C'est bizarre, Hamid est en train de prendre le numéro d'une meuf. Trop bizarre. Ouais, elle est consciente.
34 12 30. Attendez, j'appelle le chef des Irlandais. Là on tient ici, on tient. Allonge-toi. On tient au calme. Attends, je veux mourir. Aïe. Ouf. J'esquive. Je pense qu'on a fait un bon combo. Pourquoi ça me sert rien? Ce qui me casse les couilles. Double combo, frère. Eh les gars, le chef des Irlandais il répond pas, les gars. Ouais. Oh non, on va se mettre des petits. Mais c'est pas où il est, bah, bah ou pas 110, mais frère, 110 c'est grand, tu vois. Mais où pour... t'as pas dit où à... Non, elle sait pas où exactement. Merde. Les gars, y a des motards là. Viens, on leur met un coup de pression là. Viens, on leur dit, c'est notre station. Allez, Bonsoir. Ouais, doucement la machette. Comment allez-vous? Non, mais en fait, on coupe des noix de coco. Non, c'est juste un petit avertissement, tu vois. Tu vois, cet endroit il est sur notre propriété, tu vois. Donc si tu viens ici, tu dois payer 500$ pour mettre ton essence. C'est notre station, les gars. C'est notre station. T'as compris? Non, c'est pas nouveau, c'est juste que vous respectez pas les règles. C'est nouveau parce que t'étais pas au courant, du coup, mais compris. Ça aurait été le cas. Doucement, calme-toi, mon pote. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, d'accord? Donc c'est bon pour toi ou quoi? Ouais, c'est bon. Et tu diras à tes petits potes, hein? Ouais. Hein, tu diras à tes petits potes que c'est Annen qui a renversé toutes vos motos tout à l'heure et que vous emmerde. C'est bon ou pas? C'est Annen idéologique. C'est Annen. Salut, c'est Annen. Qui a fait ça et il vous emmerde. Ah, mais non, il dit ça, c'est tout. C'est pour une autre coco, il y a beaucoup de palmiers qui vont pousser prochainement. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe, madame? Comme par hasard, on se revoit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est la putain de station d'essence, les mecs. Il y a une taxe à payer sur l'essence, les mecs, c'est pas gratos. 500$ pour mettre votre plein à partir de maintenant. Répète ce que t'as dit, c'est toi qui écrasais nos motos, c'est ça? C'est Adnan. Non, c'est Adnan. C'est Adnan. Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Parce qu'il se vantait tout à l'heure au téléphone. Il se vantait, il disait j'ai écrasé leur voiture à ces petits bouffons. Voilà, et j'en ai rien à faire des représailles, il a dit ça en plus. Il a clairement dit mot pour mot. T'as pas dit que c'était toi, Anam, là? C'est pas moi, Anam. Non, mais enlève ton bonnet et montre-lui tes couilles, Roya. Non, mais attends. Montre-lui tes couilles, frère, montre-lui tes couilles, Mister Los Santos, Roya. Roya, je suis. Quand on est beau comme toi, on se cache pas. Je suis à ce jour l'homme le plus beau de tout Los Santos. Pourquoi tu rigoles, c'est vrai? Non, j'ai une toux. Ok, c'est bon. Ça cause l'odeur de l'essence. Non, enlève ton masque. Ouais, bah. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète, Roy, on a le temps. Bientôt la nuit. Voilà. Bravo. Voilà, je suis. Donc, messieurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui viennent d'arriver, ici c'est notre station. Du coup, vous devez payer une taxe. On tire. Ouais. C'est comme ça que fonctionne la vie. C'est guignol. C'est 500$ la semaine. Attends, j'attends l'ordre après, ils ont fait quoi avec ces guignols? Mais y'a pas de guignol en fait, c'est notre station, c'est tout. C'est notre station à partir de maintenant là, à partir d'aujourd'hui. C'est fini le carnaval là. Mais c'est bon là, on est habillé au carnaval là. Attends. Nous on est super bien habillés hein. Mister Los Santos est deuxième Mister Los Santos. Désolé. Donc au cas où, je veux faire un petit récapitulatif de la situation les gars. À partir d'aujourd'hui, cette station est sous notre protection. Non, sous notre contrôle. C'est notre protection. Contrôle. À partir de maintenant, c'est la superette aussi d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'il serait bien en petite culotte. Oui, ce serait pas mal. Ok, lève tes mains. Oh les problèmes. Oh là là. Eh les gars, je suis plate 1 sur R6. Je vais faire un 360 tout le monde à mourir. Bon les mecs, c'est simple. 500$ la semaine, on n'en parle plus, c'est tout, c'est du business, y'a rien de personnel. Tu vas nous donner 500$ par semaine? Non, tu vas nous donner, vous allez nous donner 500$ par semaine. Je le dis. Parce que ça fait les beaux gosses sur des motos, mais quand il s'agit de donner un petit peu d'argent, y'a plus personne. Ah bon, Ting Tang Chang? Eh ouais, ça parle chinois. Moi les gars, je pense vraiment que c'est pas la solution de sortir de l'exemple là, à cet endroit là. Mais on a pas sorti là. C'est vrai que si, par mégarde, on tire là-dedans. À cet endroit
Voilà, royal. Oh là là. Voilà, bon, moi je dis ça comme ça. Messieurs, vous savez ce qu'on va faire ailleurs. Vous savez ce qu'on va faire? On va se donner rendez-vous d'ici 10 minutes et on va parler à tête reposée et à armes déchargées. Ça vous dit? Ça vous fait? Ok. Les éoliennes, vous voyez les éoliennes ou pas? Tara, on s'appelle Tara. Le dinosaure. Rendez-vous au dinosaure. Rendez-vous au dinosaure, messieurs. 10 minutes. Vas-y, on va prendre les armes lourdes, c'est parti. Les gars, notre meilleure arme, les gars. Je peux conduire ou pas? C'est notre cerveau, d'accord? Le brain. The motherfucking brain, you know that? Brain. Les gars, en place. En mode serious. Full serious. On prend une Déjà ils sont en retard. Ils ont peur. Non, habillez-vous en mode schlag. On les respecte pas. En mode schlag. Alors là, fallait pas me dire deux fois. Bah oui, c'est le but. Là, tu me le dis pas deux fois. Alors là, mon pote. C'est la spécialité de la maison, Roya. Alors là, t'inquiète pas pour ça. C'est bon, je suis en mode schlag là. C'est bon là. Hamid, on dirait un blédard qu'on a parachuté, frère. Ah ouais, Roya, c'est chaud. Ils ont lâché le Santos de bon courage. Qu'est-ce que t'as à dire? Kefta, viens voir, il y a ton nom, Roya, viens voir. On l'a parachuté. Chouf, Hamid, on dirait un blédard qu'on a parachuté, frère. Salam alaikum, Mouldé. Oh là, Mskin, il a voulu faire comme les jeunes avec les chaussures avec des pics et tout. Non, il a mis son haut torque ninja. Mais rangez vos armes. Je crois ils vont jamais venir. Hein. Ah, ils ont peur. Mais est-ce qu'ils ont compris le call dinosaure? Bah, il a dit oui, on sait. Est-ce que vous avez le numéro d'un. Appelle la meuf, Hamid, t'as son numéro toi? C'est une bikeuse. Non, c'est elle qui a mon numéro, moi je l'ai pas encore. Oh, astaghfirullah. Elle a essayé, je te jure, elle a tout tenté. Eh, moi je on y retourne, on rafale et on se casse, voilà, on leur montre. On drive by. Viens, Thomas, ramène-toi, on se barre. Bah, venez, on va leur parler. Voilà, s'ils sont pas là en drive by, s'ils sont là, on va leur parler, venez. En fait, ils venaient même pas en fait. Bah, messieurs, du coup, vous êtes jamais venus? Bah, occupé, c'est pour ça. Nos gradés sont occupés à l'intérieur. Et vous croyez que nous on est pas occupés? Ah ouais. Ça fait 20 minutes qu'on vous attend là-bas. Vous avez perdu vos couilles ou quoi? Ouais, ils sont occupés à l'intérieur. Ah, vous êtes occupés à l'intérieur. Bah, vous pouvez dire qu'on était très occupés pendant 20 minutes à vous attendre. Je transmets l'info. Quand on donne un rendez-vous, vous venez, les mecs. Ils ont pas de couilles, c'est un truc. Le problème, c'est que vous avez donné un rendez-vous comme ça sur une décision. Mais oui, mais vous avez tous dit oui en fait. Si vous êtes occupés, vous dites non demain. Ça c'est faut dire ça au gradé. Vous avez pas de couilles? C'est qui votre gradé? Bah c'est tous ceux qui sont super. Oui non je sais, non mais d'accord, non mais frérot je sais. Mais c'est quoi son nom? Je te dirai pas de nom. Ouh, je te dirai pas, c'est un secret. Mec brusson. C'est pas un secret mais j'ai pas à dire le nom qui que ce soit. Mais pourquoi frère, c'est un être humain, moi je m'appelle Anas Al-Mardebi, il a bien un nom ton gradé. La voiture, la moupédo. Bah je sais pas, c'est un par cœur. Ok. Bah du coup on les attend. Juste attendez, on termine ce qu'on a fait. Ouais, y'a pas de soucis, nous on attend. Ouais. Bah, c'est 20 minutes qu'on vous attend. Voilà. Les voilà. Alors, priez-moi de m'excuser, messieurs, on avait. Un rendez-vous avec carton véhicule. Ah, d'accord. Oh, c'est un rendez-vous. Hey, c'est oui, ça là. Ah ouais, c'est un rendez-vous beaucoup plus important que le nôtre. Je sais pas, pour l'instant, le seul rendez-vous qu'on m'a proposé. Attendez, vous me dites quelque chose. Moi? Attendez, radio, calmez-vous s'il vous plaît, j'entends pas. Ouais, dis-moi. Je vous ai pas vu sur le bateau là-bas, à l'arrière de Paletto, il y a quelques mois de ça. Ah, c'est possible. Pour une vente aux enchères, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est fort probable même. Anas. Okay. Mais vous êtes qui? C'est quoi votre nom? Moi, je suis Noah. Je me fais tout petit depuis pas mal de temps. Mais oui, vous avez rien acheté aux enchères, il me semble. Je venais d'arriver, j'avais pas beaucoup d'argent. Ah oui, je comprends. Mais du coup, en fait, est-ce que vous étiez à la station d'essence il y a 20 minutes de cela? Oui, c'était moi. Ah, ok. Mais du coup, ça faisait 20 minutes qu'on vous attendait. Bon, dommage que vous étiez pas venu. Hein. C'est compliqué, on était occupé avec les hosts aussi. Mais du coup, notre discours n'a pas changé depuis tout à l'heure. Notre station, c'est du coup, comme son nom l'indique, c'est la nôtre. C'est ma station. Ouais, c'est la nôtre. Non, c'est ma station. Ah oui, non, mais non. C'est ma, à moi. D'accord. Okay, tu veux qu'on joue au pouf-pouf? Comment je dis? Pierre-feuille-ciseau. Ok. Moi, ce que je propose, au lieu de faire un pierre-feuille-ciseau, un contre un, une esquive. Incroyable. Bonhomme. Ok, t'es prêt? Ah, bah écartez-vous. Tu veux? Non, mais... C'est carton. Tu veux? Ok, vas-y. Bah évidemment que je veux. C'est carton. Si tu gagnes, ça me faire chier. Attends deux minutes. Je vais te chercher tes gants. Ah ouais, les gants, c'est vrai. À l'ancienne, comme à l'ancienne. T'es prêt? Une esquive, on est d'accord. Mais... Tu me dis quand c'est bon. 3, 2, 1, fight! Parti! Eh, vas-y, t'es comme le président, ouais. Ah. Vas-y. Voilà, patate de forêt. Voilà! Vas-y, vas-y, coach!
Voilà. 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 Comme à l'ancienne. C'est les points qui parlent. Bang, bang. Donne des gants, je vais les manger. Aïe, 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 tiens, 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 voilà. Tiens, 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 gamin. Eh, je te les dédicace plus tard, t'inquiète. Ça va pas trop mal? Non, mais j'ai l'habitude de m'en manger dans la gueule, mais... Ah, ouais, station, quoi. Ouais, la station, quoi. Bah oui, du coup, ma station, quoi. Domicile, en plus. Ouais, on peut s'arranger. Oh, bah là, on s'est arrangé, du coup. On peut plus s'arranger. J'avais une question, vous aviez rendez-vous avec qui, là? Les Irlandais. Ces fils de pute! Qu'est-ce qu'ils ont putain fait? Putain! Putain! Les sales tabanques! Ah bon? Ouais, ouais. Ah bon, on essaie de faire un peu, oui. Ouais, ouais, disons qu'on les aime pas trop trop parce que ils trempent, on va dire, dans les mêmes magouilles. Affaires, que nous, on les connaît pas, mais on les aime pas. Qu'est-ce qu'ils font, les Irlandais? Oh, ils font des choses qu'on n'apprécie pas trop, quoi. Hein? À part le whisky, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu intéressés à un autre domaine, comme le blanchiment, par la exemple. La dentition, quoi. Blanchiment dedans. Ils utilisent leur dentifrice Oral-B, ils sont sponsorisés. Ouais, je sais pas du tout. Okay. Vous avez... C'est pas trop indiscret, vous êtes en affaire avec eux? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Là, on discutait, là. Ah oui, c'était quand même une longue discussion pour des gens qui sont pas vraiment en affaire. Très longue. On a quelques problèmes communs avec certains groupes, ouais. Ah, c'est vos amis? Pas nos amis non plus. Dans le business, il n'y a pas d'amis. Ah ok, je pensais que des intérêts, ça c'est vrai. Exactement. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que vous en pensez des Irlandais? Enfin, c'est des mecs sérieux Pour l'instant, c'est quoi votre avis? Plutôt cool. Un avis sur 5 étoiles à peu près. 5 étoiles 3,5. Ah, c'est pas fou, hein. Intéressant, ça veut dire quand même. Ah, c'est okay. Pas fou. C'est quoi, c'est quoi, c'est les plats qui sont défectueux? C'est la livraison non, qui est pas top? Le problème, c'est quand ils nous ont invités chez eux, ils nous ont pas servi de whisky, rien. Ah, les bars. Hey, ils habitent où d'ailleurs? À Sandy Shore. Ouais, mais où exactement? Comment dire? Vous voyez que vous rentrez à Sandy Shore à partir de l'autoroute d'ici là? Ouais. Et bah, juste à droite. Avant, il y avait un monsieur qui achetait des poissons là. Bah, c'est juste là. Peut-être. Ils ont racheté le truc là. Ah oui! Qui a racheté les trucs d'animaux, les poissons et tout? Ouais, c'est ça. D'accord! C'est juste à côté du lac en fait! C'est ça. D'accord! Ok. C'est bon, ça me va. Ok, parfait. Bon bah du coup bah on vous laisse notre station entre de bonnes mains. On passera chaque fin de semaine pour récupérer 500$. Ok, à chaque fin de semaine on se refait une baston. Et on augmente après. Bah oui, on verra comment ça se passe, si vous êtes d'accord ou pas, quoi. Bon bah messieurs, en tout cas merci. On vous dérange pas plus. Prenez soin de vous. Pas de bêtises avec la station. Allez-y doucement sur la pompe numéro 4, elle est défectueuse, d'accord? Il faut aller tout doucement pour la gâchette. Attention au cholestérol, diabète. Bon courage, messieurs! Enfin, mesdames, au revoir! Zogzo. Les gars, je sais où ils sont, les Irlandais, je sais où ils sont, ils sont morts. Ils sont morts, on va faire quoi là après? On va aller discuter avec eux, on va se faire passer pour des clients dans leur bar, et après on va passer aux choses sérieuses. Oui, sonnez. Oh, tiens. Dans le sas. Eh les gars, on parle à personne, on rentre dans le bar direct comme si on était des clients. Vas-y, avec un client, c'est pas trop difficile. Vas-y, faites les Yankees, faites des marches Yankees, tout ça. Vas-y, on fait un jeu d'acteur. Allez, alors! Hey! Vas-y, je t'amène boire un verre et ouais. Ah, putain, c'est vrai que j'ai. Bonsoir, messieurs! Comment allez-vous? Très bien! Ouais, ça va? Bonsoir, messieurs! Ah, j'ai envie de boire un coup, j'ai grave soif avec cette chaleur! Ah, de même bière pour monsieur! Merci! Des bières irlandaises! Une bière sans alcool, s'il vous plaît! Vous voulez quelque chose sans alcool ou pas, messieurs? Qui c'est qui veut chercher des bières? Bah, tout le monde, je pense! Bonsoir, messieurs, mesdames! Bonsoir! Comment allez-vous? Je crois que vous avez vu juste avant chez les AOD, ils m'ont prévenu que vous alliez arriver. Non, je pense pas, non, on cherchait juste un petit coin tranquille. Je pète ma bière. Psst, on voulait juste boire, se reposer un petit peu avec cette chaleur. T'as pris. Se sustenter un petit peu, quoi. Ça vous dérange pas, j'espère. Qui d'autre veut boire un peu? Non, c'est un bar. Je peux plus s'altérer, s'il vous plaît. On va s'asseoir. Ouais, tout le monde, je crois. Moi, parce que j'ai une maladie, madame. Maladie que je peux pas respirer l'air ambiant. Parce que sinon j'attrape vite des maladies et tout, tu vois, je suis immunosuppresseur. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Elle est rouxophobe. En fait, dès qu'elle est en présence de. Bah, après, c'est ce qu'elle m'a raconté, hein.
Quand elle est en présence de nous, en fait, ah oui, ça la gratte et ça. Non, mais là, ça va, elle a un masque, donc c'est pas. Là, ouais, prends des médicaments pour ça, en fait, c'est pour ça. Moi, je suis allergique aux chats, moi, par exemple, je suis allergique aux chats, j'ai du mal avec les chats. Bah, elle, c'est les roues, après, chacun a ses allergies, je veux dire. C'est bizarre comme allergie. Bah, c'est une allergie comme une autre. C'est bon d'impureté, c'est bon. Comment tu dis déjà, pas sens. Non, c'est ma vie privée, voilà. Il est mort, votre pote. Qui? Non, il est posé au calme, ouais. il est bien. Ah, pas trop bien l'alcool. Posé bizarre. Ah. Vous étiez au garage là des comment il s'appelle là? Angel of Death, je sais pas quoi là. Ok. Ouais, ils nous ont dit que vous étiez en vite fait, pas vraiment en affaires, ils étaient un peu vagues sur vous voulez acheter des motos, je sur crois. La nature un petit peu de cette discussion là, qu'est-ce qu'il y a, il fait des trucs bizarres ou quoi? Non, mais en fait, on a une douce envie d'acheter des jolies motos et la problématique, envie. C'est oui, une douce envie. Okay. Pas une envie normale, c'est une douce envie. Et la problématique? La problématique, c'est que bah, leurs motos sont trop chères, hein, réellement. Ah bon? Ah ouais, 50 000 $ la moto d'occasion, hein. Ah ouais. Incroyable, plus ouais, cher qu'en concesse. Ah ouais, c'est cher, hein. Là, c'est vraiment incroyable, hein. Mais pour acheter des neufs directement, alors. Bah ouais, du coup c'est ce qu'on va faire très clairement, mais on voulait des motos de bikers parce qu'on aime bien les bikers. Ah ouais, on voulait des motos de bikers qui appartenaient à des bikers. Sérieux? Oui, allô. On est quoi comme moto par le hasard? Vous faites quoi en ville, messieurs? À part gérer ce bar? Je réfléchis, je travaille. En fait, oui, voilà, on travaille au pissoisseur, au garage et tout. Au pissoisseur? C'est quoi ça, pissoisseur? C'est des chips? Bière? Non, c'est de la bière, ouais, voilà, c'est là qu'on se fournit d'ailleurs. Ok, ça marche. Mais c'est cool, vous êtes implémenté quand? Il y a un moment quand bon même, mois et demi, un mois et demi. Bon mois et demi. Sérieux? Ouais. Ah oh ouais, vous avez mis des sous de côté pour acheter le bar et tout, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça fait grave plaisir. Les petites voitures aussi, on aime bien les voitures. Les voitures, donc les motos, les voitures, ok. Toi, si vous êtes un garage de repère, ben me voilà quoi. Bientôt, je veux un 38 tonnes aussi. Un 38 tonnes, pourquoi faire? Pour transporter ma femme. Ah! Kefta, t'as entendu? C'est un camion 13 tonnes, regarde! Kefta, il a ce qu'il faut pour sa femme, Hayat. J'ai ce qu'il faut, hein! Elle fait 1 mètre sur 160 kilos, la mienne! Il a une grue, en fait, pour la déplacer d'un point A à un point B, il prend une grue! Messieurs, parlons peu, parlons bien, s'il vous plaît, on va discuter un petit peu business parce que j'ai eu des informations sur vous et ça m'intéresse énormément. Disons que j'ai de l'argent, voilà, en petite coupure que je n'arrive pas à écouler et j'ai besoin de vos talents, en fait, tout simplement. J'ai des linceuls, il faut les blanchir. Eh oui. Ah, et donc, vous avez sonné à la bonne porte. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, j'aimerais savoir en fait, comment ça fonctionne. Parce que bon, c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je fais appel à des services comme ça. Et bon, les voilà, c'est vrai qu'ils sont un petit peu. Je sais pas, ils sont un petit peu douteux. Je leur fais pas trop confiance. Ouais, d'accord, non, pas que je vous fais confiance directement, mais j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Simplement quoi. Oui, on peut faire ce service, mais on ne le propose pas partout pour une bonne raison. On cherche les fils de pute qui sont actuellement cachés un peu partout. Malheureusement, ils sont très bien cachés, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être nous qui avons mal cherché. Hein. Et puis voilà, le problème, c'est que voilà, le problème étant qu'ils sont cachés. Je comprends nous ne savons fait, pas trop où ils se trouvent. Je comprends rien à ce que vous racontez. C'est pas ouais, moi non plus. Je comprends rien à ce que vous racontez. Les fils de pute qui prennent la dessus. Ceux qui prennent le pourcentage. Qui prennent le pourcentage de l'argent. Voilà, c'est eux qu'on cherche actuellement. Vous cherchez votre concurrence, d'accord. On ne cherche pas la concurrence. On ne va pas blanchir de l'argent grâce à ce bar, naturellement. On est très clairement obligé de passer par quelqu'un. Je pense qu'il y a mépris. Moi, je vous dis, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est votre business, je m'en fous. Moi, j'aimerais juste savoir, justement, si je vous donne de l'argent, comment est-ce que je les récupère, à combien de pourcentage. Après, vous, votre business, vos concurrents, ça, c'est une autre affaire. Ça me concerne pas du tout. Très bien, très bien. Logiquement, dans tout ça, donc c'est plutôt du coup d'Eric, mon bras droit, qui gère ça. Logiquement, on tient les comptes comme ça. Le mec est censé prend 50%, nous prenons 5%, vous récupérez 45%. Logiquement, ça se passe comme ça d'après toutes nos informations. Je récupère 45% de ma somme, c'est ça? De ce qu'on m'a dit, c'est donc ça. Si malheureusement, si je vous donne, je peux pas proposé ça. Si je vous donne 100 000, je récupère 45 000. Ouais, c'est ça ouf, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ouf, effectivement. Mais c'est on pas a, ouf, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est pas ouf, mais c'est à la fois une très bonne nouvelle. Ah ouais, j'aime bien, on va dire. Bah parce que je récupère quand même une partie de mon argent déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr, mais comme l'on dit beaucoup. Et en plus, vous restez en personne. Vie. Donc c'est aussi un avantage. Donc du coup, on est d'accord que si je donne 100 000, je récupère 45 000.
C'est à peu près ça, ouais, c'est ça. Non, plus après, les choses ont changé. Non, c'est pas à peu près. Est-ce que c'est exactement ça? Je ne sais pas actuellement si c'est exactement ça. Pour le moment, c'est exactement ça, oui. D'accord, ok. Tout dépendra, comme j'ai dit, de ce qu'on trouvera avec ces messieurs, tout simplement. Quand on leur parlera, on le saura. On le saurait à ce moment-là, je pense qu'on peut changer un numéro et... Ces messieurs, mais je comprends pas en fait de quoi vous me parlez en vérité, genre. Oui, des qui Nous cherchons des personnes actuellement qui sont capables de prendre cet argent. Sachez qu'on ne peut pas, nous-mêmes, avec les revenus de ce bar, dans les comptes, on ne peut pas dissimuler beaucoup d'argent. Tu dérives encore, tu me racontes tes problèmes. Non, en fait, ils cherchent des gens... Oui, tu cherches la concurrence d'autres. Je cherche la concurrence. Je cherche les personnes qui nous prennent l'argent. Oui, bien sûr. Bah, c'est la concurrence. Les fils de pute, là. Non. Voilà, les fils de pute, comme vous dites. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ceux à qui je donne l'argent. D'accord, très bien. Ceux à qui vous donnez l'argent. Voilà, on m'a donné les informations que trois personnes actuellement étaient en ville et ces trois personnes pouvaient donc prendre cet argent. Malheureusement, je ne les ai pas encore trouvés. Du coup, cet argent, si je l'ai, je peux rien en faire, vous voyez. Bon, donc voilà, tu as rien compris, Roya, ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci moi pour la bière. Pas... Merci pour les hamburgers. Et pas de soucis, pas de soucis. Est-ce que vous avez un numéro, un contact oui. qu'on puisse changer un numéro. Oui, allô. Oui, allô. C'est pas moi le fils de pute. Ah. C'est bon. C'est pas vous le fils de pute, très bien. Ah bah non, du coup, non. Ok. Ah, donc, merci, messieurs. Voilà. Merci beaucoup. Puis bah, soucis, plaisir, bonne recherche à vous concernant ces fils de pute. J'ai pas très bien compris l'histoire. Très bien, merci. Mais force à vous en tout cas. Et puis on se recontacte pour éventuellement une première affaire entre nous. Merci. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre accueil, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Pas de soucis. Bonne soirée. Merci. Au revoir, monsieur. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Les gars, voilà, info sûre, j'ai rien compris. Ouais, du moins, j'ai compris. Non, en fait, non, mais j'ai compris, mais vite fait, tu vois, genre. En fait, non, mais le truc. Mais il blanchit pas en fait. Oui, non, mais oui, mais surtout que le. C'était bizarre. En fait, je croyais qu'il blanchir un blanchisseur. Ouais, trop bizarre, ouais. En vérité, de ce qu'il m'a dit, s'il prend 45%, en fait, on s'en bat les couilles de leur vie. Hein. C'est énorme, hein. Bah, non, frère, parce que nous, en fait, on blanchit à 55%. C'est-à-dire, on blanchit à 10% de plus qu'eux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont grave avantagés en blanchissant avec nous. Donc, c'est-à-dire clairement que pas. Chez nous, ils prennent 55% et chez les autres 45%. C'est pour ça que je dis que c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis que c'est très bonne nouvelle pour lui, tu vois. C'est pour ça que Madrazo, il voulait passer par nous. Bah oui, voilà. Ça donne des FDP, du coup, si j'ai pas compris. Ouais, et du coup, ils vont nous chercher parce que. Mais non, FDP, c'est pas nous. Vous avez pas compris. Non, les FDP, c'est pas nous. Il a dit 3 personnes, on est plus que 3 personnes. Les FDP, c'est pas nous, les gars. Wesh, je parle chinois, c'est des PNJ, frère, casse pas les couilles. Attends, vous aviez pas capté de tout à l'heure. Putain. Mais moi, dans mon background, je faisais semblant de pas comprendre parce que c'était la scène aussi qu'il voulait, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils font exprès. C'est en fait, je suis un acteur. Je fais l'acteur. Royal, le mec a dit mot pour mot. Moi, il y a 3 mecs, tu leur donnes l'argent, ils te redonnent l'argent, mais je les ai toujours pas trouvés. C'est bon, t'as capté. Oui. Ouais, mais le truc c'est qu'il explique très très mal et quelque part on s'en bat les couilles en fait. Nous on est venus dans l'optique. Oui, mais si. En fait, ce qu'il voulait expliquer c'est qu'il blanchit pas là pour l'instant. Oui, mais frère, mais tu dis pas ça à des futurs clients pour les rassurer. Mais c'est surtout que il nous connaît même pas. Mais c'est ça en fait, tu vois, c'est ça. Mais allez, les gars, braquage. Ouais, Y'en a, go QG, go QG. On l'arrête celui-là.